Tu t'es-tu déjà demandé combien de salaire annuel tu as besoin pour te qualifier pour une hypothèque de 500 000 $? Aujourd'hui, je t'explique exactement c'est quoi les revenus que tu as besoin pour être capable de te qualifier. En passant, mon nom c'est Dominique Lamarche, je suis courtier immobilier. On spécialise dans tous les secteurs qui sont Montréal et environ. Aujourd'hui, je t'explique en détail c'est quoi un revenu ménage puis qu'est-ce que tu as besoin pour être capable de te qualifier pour une hypothèque de 500 000. Donc, je parlerai littéralement d'une hypothèque de 500 000 et non pas un 500 000 de prix d'achat. En gros, quand tu fais le calcul de ratio d'endettement RBD, OTD, si exemple, je prends en considération que tu n'as pas de dette, que tes frais de chauffage vont être plus ou moins à 150 $ par mois et puis qu'on se base sur un taux plus ou moins de 5 %. Donc, n'oubliez pas, c'est un calcul rapide. Ce que j'arrive à la conclusion, c'est que tu as besoin d'un revenu ménage de 145 000 $ par année pour te qualifier pour une hypothèque de 500 000. Donc, ça représente quoi 145 000 de revenus ménage? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont être sur le titre de l'hypothèque, ensemble, leur revenu combiné représente 145 000 par année. Et où une personne qui fait 70 000, un autre qui fait 75 000, on se met ensemble, on fait une acquisition. Donc, est-ce que tu t'attendais à ces chiffres-là pour être capable de te permettre une propriété de 500 000 $ et plus? Et laisse-moi savoir en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est réaliste dans le marché d'aujourd'hui d'avoir des revenus ménages à plus de 150 000 par année pour être capable de se payer la belle propriété qu'on veut avoir? Laisse-moi des commentaires juste ici.